Le partenariat Paraco Orléans fait du développement de l'écotourisme son cheval de bataille. Les acteurs clés de ce secteur, intervenant sur la chaîne de production des biens et services touristiques, ont bénéficié d'un atelier de formation pour de nouveaux circuits écotouristiques dans la commune de Paraco. Dans le cadre du partenariat Orléans-Paraco, la mairie d'Orléans finance beaucoup d'activités donc, dans le domaine du tourisme. Et par exemple, on a créé une forêt à Baca pour l'écotourisme. Et on va également travailler avec Éco-Bénin pour des nouveaux circuits écotouristiques. Donc c'est vraiment cet atelier pour mettre en relation tous les acteurs du tourisme qui puissent se connaître et surtout travailler ensemble. À l'issue des travaux, nos objectifs, c'est vraiment que ces acteurs puissent mieux travailler ensemble et qu'on puisse également capitaliser sur les expériences de tout un chacun. Donc l'objectif, c'est vraiment la communication et la synergie des acteurs du tourisme à Paraco. Je pense qu'à Paraco, en termes de tourisme, il y a beaucoup de potentialités et il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés. Maintenant, ce qui manque, c'est vraiment le côté de mise en réseau et c'est le travail qu'on essaie de faire, justement. L'expert formateur lève un coin de voile sur cette forme de tourisme durable, respectueux de l'environnement. La mairie de Paraco veut permettre à tous les acteurs de réussir l'écotourisme sur le territoire du Paraco. L'écotourisme, aujourd'hui, c'est une forme de tourisme durable. Okay? Le tourisme durable, c'est un tourisme respectueux de l'environnement. Okay? Donc, c'est un tourisme sur le plan écologique qui est tolérable, un tourisme qui, sur le plan économique, permet la prospérité, sur le plan culturel, permet de vraiment protéger les ressources et de les valoriser comme il se doit. Okay? Et sur le plan environnemental, ça permet vraiment de protéger les ressources aussi. Les participants apprécient à sa juste valeur cette initiative de promotion de l'écotourisme à Paraco. Cet atelier est très important et revêt un caractère capital pour le développement touristique de Paraco parce que ça nous permet déjà de mettre différents acteurs pouvant ou intervenant dans la chaîne de production ou de proposition de biens et services touristiques de se retrouver ensemble. Ensuite, de parler de l'écotourisme, du tourisme durable, la destination aujourd'hui prisée par tout le monde, afin de mettre au pas le tourisme paraquois et pour nous attirer davantage de visiteurs et contribuer, comme cela se doit, au développement culturel, touristique, social, environnemental de la commune de Paraco. Actuellement, Paraco n'a pas pu positionner cette forme de tourisme dans la commune. Et donc, cette formation vient à point nommé, vu que la mairie développe beaucoup de stratégies pour faire avancer et promouvoir le tourisme dans la commune. À travers l'écotourisme, la mairie de Paraco et celle d'Orléans optent ainsi pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable sur le territoire de la troisième ville à statut particulier du Bénin. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.